D'accord. Donc, pour tricoter, donc pour réaliser notre motif, nous allons commencer par monter 33 mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc, nous allons monter 33 mailles. J'ai 30 mailles. 31, 32, 33. On monte 33 mailles. Alors, on fait deux rangées en jersey en droit. Donc, une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'envers, juste pour avoir la base. On tourne, on tricote toutes les mailles à l'envers. On termine donc là, nous avons deux rangées en jersey en droit juste pour la base. Alors, je vais vous montrer le petit diagramme. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver. Diagramme que nous allons réaliser. Alors, il a l'air un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. Alors, la première rangée, on a une maille lisière. Fait deux mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble. On fait un double jeté. Et on fait deux mailles ensemble inclinées à droite. Comme ceci. Et puis, je fais 19 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. 19 mailles à l'endroit. Je fais 2 mailles ensemble, double jeté et deux mailles ensemble, cette fois-ci inclinées à droite. Et on termine par deux mailles à l'endroit et la maille lisière. On tourne le travail. On fait donc deux à l'envers. Alors, le premier jeté, je le tricote à l'envers et le deuxième, je le tricote à l'endroit. Comme ceci. Et puis je prends donc les 19 mailles. À l'envers. Et 19 mailles à l'envers. Le premier jeté, je le tricote à l'endroit. Et le second, je le tricote, et plutôt à l'envers. Et le second, je le tricote à l'endroit. Et puis je termine par 4 mailles à l'envers. 3e rangée, je fais une maille lisière. Une, deux, trois, quatre. Et 5 mailles.
5 mailles, je fais un jeté, 2 mailles ensemble, inclinées à droite, et 17 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mailles et 17. 17 mailles à l'endroit. Je fais 2 mailles ensemble, un jeté et je termine par 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et la maille lisière. Lorsqu'on tourne le travail, on tricote toutes les mailles à l'envers. Termine la rangée. On tourne le travail. Cette fois-ci, on fait une maille lisière. On tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Je fais un jeté. On tricote 2 mailles ensemble. Si. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, 15 mailles. On fait 2 mailles ensemble. Excusez-moi, je crois que les mailles ici. Je vais pas les tricoter comme ça si je me trompe. 2 mailles ensemble. Et comme ça, ça va faire cette forme. Et c'est là. Oui, je me suis trompée un peu. Bon. 2 mailles ensemble. On fait un jeté et on termine par 6 mailles à l'endroit. Et la maille lisière. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Plus la maille lisière. En tour du travail, on tricote toutes les mailles à l'envers. Termine. En tour de travail, on va repartir sur une maille lisière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles. On fait un jeté. Je faisais un peu de n'importe quoi. Donc 2 mailles ensemble. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mailles. On fait, et c'est ça, 2 mailles ici à gauche, on fait un jeté et on termine par 7 mailles et une maille lisière. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la maille lisière. On termine.
On tourne le travail et on tricote les mailles, toute la rangée à l'envers. On tricote tout à l'envers. On termine. J'ai du retour. On tourne le travail. On fait donc une maille lisière, une maille, 2, 3, 4, 5 mailles. D'accord? Je fais 2 mailles ensemble. Je fais un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 2 mailles ensemble. Cette fois-ci, on fait l'inclinaison à droite. Et je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 mailles. Onze mailles, 2 mailles, 2 mailles gauche, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on termine par 2 mailles ensemble et 1, 2, 3, 4, 5 mailles plus la maille lisière. On tourne le travail et on repart. On tricote toute la rangée à l'envers. Et les jetés, on tricote tout à l'envers. On termine notre rangée. On tourne le travail. On fait une maille lisière. On tricote une maille à l'endroit. Excusez-moi, une maille, 2, 3 et 4. Donc, 4 mailles à l'endroit. On fait 2 mailles, on fait un jeté, tricote 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. On fait un jeté, tricote 2 mailles et on tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles, fait 2 mailles ensemble. Un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. On fait un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. On termine par 4 mailles. Plus la maille lisière. 4 mailles et la maille lisière. On tourne le travail. On tricote tout à l'envers. On termine. Le travail. Alors, cette fois-ci,
On va faire la maille lisière. Fais 3 mailles à l'endroit. 2, 3. On fait 2 mailles. Je fais un jeté, tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Je fais un jeté, fais 2 mailles ensemble. Fais 1, 2, 3. Je fais un jeté, fais 2 mailles. Je fais 2 mailles à l'endroit. J'ai 2 mailles. Je fais un jeté, tricote 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. 2 mailles ensemble et on termine par 3 mailles à l'endroit plus la maille lisière. On repart, on tricote toutes les mailles à l'envers, toujours. On termine notre rangée. On tourne le travail. Cette fois-ci, je fais la maille lisière, 2 mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble à l'endroit. Je fais un jeté, fais une maille à l'endroit. D'accord, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit, je fais un double jeté et c'est 2 mailles ensemble à l'endroit. D'accord, 2 mailles à l'endroit. Je fais un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit à gauche et deux mailles ensemble à l'endroit. Je fais un jeté, je fais une maille à l'endroit, je fais un jeté. Deux mailles ensemble, hein. Puis deux mailles, je fais une, deux mailles. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai sauté quelque chose. Oui, deux mailles ensemble. On fait un jeté, tricote 2 mailles à l'endroit. Je refais 2 mailles ensemble. Fais double jeté et deux mailles, une maille à l'endroit, je fais un jeté, deux mailles et alors
fais très attention ici pour ne pas vous perdre. Donc deux mailles ensemble. On termine par deux mailles à l'endroit. On tourne le travail. Je repars. Alors, cette fois-ci, je fais 2 à l'envers. Alors, les jetés, je vais faire comme j'ai fait au début. Un jeté à l'envers, l'autre à l'endroit. Et on prend toutes les mailles à l'envers. Le double jeté, je tricote un premier jeté à l'envers. Et le second, je les tricote à l'endroit, puis je prends mes mailles à l'envers. Je tourne mon travail. Une maille lisière, fait une maille à l'endroit, je fais deux mailles, je fais un jeté, fait une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble. Je fais un jeté, je tricote donc une fois deux mailles à l'endroit. Je fais un jeté, deux mailles ensemble. Une maille et deux mailles, je fais un jeté, excusez-moi, un jeté, fait deux mailles ensemble, on fait un jeté, ici on fait un surjet double, je viens rabattre la maille sur l'autre côté, ou bien on va faire, excusez-moi, donc on fait un jeté, on glisse une maille, on fait ceci, récupère la maille, je viens tricoter les deux mailles. Et puis je viens rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Je fais un jeté, deux mailles ensemble. Je fais un jeté, tricote deux mailles, une, deux. Deux mailles ensemble. Alors, je fais avec vous à la fois le diagramme. On fait un jeté, on tricote deux mailles, on fait un jeté. Excusez-moi. Un jeté, on tricote deux mailles.
fais une maille à l'endroit, fais un jeté, on tricote deux mailles ensemble et on termine par une maille et la maille d'hier. Alors c'est les deux rangées qui sont un peu plus compliquées. Après, si on maîtrise, suffit que vous fassiez attention, donc ce serait mieux que vous récupérez, que vous écrivez les explications sur un petit bout de papier, ou bien vous allez juste interpréter le diagramme. Alors, retour, on prend toute la rangée à l'envers. Donc, on termine. En temps de travail. Le travail, je fais une maille lisière. Je fais une, deux, trois mailles. Je fais un jeté, deux mailles ensemble. Excusez-moi, deux mailles ensemble, fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Neuf mailles, je fais un jeté, je refais donc sur j double deux mailles et je viens glisser maille obtenue sur je fais un jeté, on fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. 9 mailles, je fais 2 mailles ensemble, je fais un jeté et je termine par 3 mailles à l'endroit plus la maille lisière. Alors il suffit d'être très attentif pour refaire ce tuto. Alors on repart à l'envers sur toute la rangée. Termine rangée. Alors, on continue, je fais donc une maille lisière, je fais une maille à l'endroit, je glisse, je fais deux mailles ensemble, je fais un jeté, je fais une, deux mailles, je fais un jeté, si je fais deux mailles, sans une maille à l'endroit. Un jeté, excusez-moi, donc je disais un jeté, normalement on doit glisser à droite, deux mailles, une maille à l'endroit, un jeté, deux mailles, on fait une, deux, trois, quatre, je fais un jeté, on refait
sur j'ai double. Je viens rabattre. Je fais un jeté, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 2, 3 et 4. 4 mailles à l'endroit. On fait 2 mailles ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, deux mailles. Une maille à l'endroit. Donc deux mailles. Un jeté, jeté, deux mailles. Deux mailles à l'endroit. Un jeté. Puis fait deux mailles à gauche et on termine par une maille. Alors il faut être très attentif concernant ces rangées. On tourne et on tricote tout à l'envers. Il faut attention, il faut avoir donc ces 33 mailles du début pour ne pas fausser le motif. Termine la rangée. En temps de travail, cette fois-ci, on va faire la maille lisière. On fait directement deux mailles ensemble. Je fais un jeté, deux mailles à l'endroit, une, deux. Deux mailles ensemble. Je fais un jeté, je fais une, deux, trois mailles. Je fais un jeté, deux mailles. Deux mailles. Une maille à l'endroit, deux mailles ensemble, on fait un jeté, une, deux, trois mailles. Je fais un jeté, deux mailles ensemble. Une maille à l'endroit, deux mailles, un jeté, on fait trois mailles à l'endroit, une, deux, trois, un jeté. Deux mailles, deux mailles à l'endroit, un jeté et on termine par deux mailles ensemble à l'endroit et la maille lisière. Je tourne le travail et je tricote tout à l'envers. Et on va tricoter l'avant-dernière rangée. Fait une maille lisière, deux mailles à l'endroit.
Excusez-moi, j'ai fait donc une maille lisière, fait deux mailles à l'endroit, on fait un jeté, deux mailles. On fait deux mailles à l'endroit, une et deux. On fait un jeté. On fait un surjet double. Je fais un jeté, deux mailles à l'endroit. Une, deux, deux mailles à l'endroit, on fait deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, les trois mailles, on fait un surjet double. Un jeté. Alors, excusez-moi. Donc, deux mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, oui. Avant de faire, donc, avant de réaliser le surjet double, on fait un jeté et un jeté, une maille à l'endroit, on fait un jeté. Deux mailles ensemble et on fait deux mailles, un jeté, on refait un surjet double, un jeté. Deux mailles à l'endroit, 1, 2, fait. Deux mailles ensemble, un jeté et on termine par deux mailles à l'endroit. On tourne le travail, on tricote tout à l'envers. Alors, j'ai retrouvé la deuxième partie. Alors, on termine notre rangée. On tourne le travail. On fait une maille. Je fais une, deux, trois mailles, quatre mailles. D'accord? Je fais un jeté. Deux mailles, fait une maille, deux mailles, un jeté, deux mailles ensemble et deux mailles à gauche, je fais un jeté, je tricote une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Je fais un jeté, je vais incliner deux mailles ensemble. Deux mailles, un jeté, deux mailles à gauche, on fait une maille, alors excusez-moi, qu'est-ce que je fais ici,
excusez-moi, 2 mailles ensemble. Je fais un jeté, une, 2 mailles, un jeté et faites 2 mailles et on termine par un jeté et 4 mailles. 1, 2, 3 et 4 et la maille lisière. On tourne le travail, on tricote tout à l'envers. Termine notre rangée. On tourne le travail, on fait une maille lisière, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 9 mailles. On fait 2 mailles ensemble. On fait un jeté, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fait un jeté, 2 mailles et on termine par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je crois que j'ai fait une toute petite erreur. Normalement, je dois terminer avec 9 mailles. Et la maille lisière. On tourne le travail. On fait toute la rangée à l'envers. Donc lorsqu'on termine la rangée, on reprend, on fait une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Fait 2 mailles ensemble. On fait un jeté. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 mailles, on fait un jeté. 2 mailles ensemble et on va terminer par 8 mailles comme on a commencé ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 et 8 et la maille lisière. Alors, on fait attention avec les mailles. Les doubles mailles, sinon on va se retrouver avec une maille de plus ou bien 2 mailles de plus. Donc faites attention avec les surjets simples. On repart à l'envers sur toute la rangée. On termine. On tourne le travail. Alors cette fois-ci, on va faire la maille lisière. Une, deux, trois, quatre mailles. On fait un jeté, 2 mailles ensemble. Fait une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble. Un jeté, on compte 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on fait un jeté deux mains ensemble. D'accord? Une maille à l'endroit. Fait deux mailles ensemble, un jeté, et on termine par quatre mailles à l'endroit comme on a commencé. 2, 3, 4 et la maille lisière. On tourne le travail. On repart à l'envers sur toute la rangée. On termine notre rangée. On tourne le travail. On fait une maille lisière, une maille, 2, 3, 4, 5 mailles. Si on fait surjet double, je tricote les deux mailles. Je viens rabattre la maille obtenue sur la maille glissée. Je fais un jeté, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 15 mailles et je fais un jeté, je refais de nouveau, surjet double, et termine par 1, 2, 3, 4, 5 mailles comme j'ai commencé et la maille lisière. On tourne le travail. Alors c'est vrai que c'est un peu long, mais c'est un très joli motif. On repart à l'envers avant de faire l'avant-dernière rangée. On termine. Alors, on va réaliser notre avant-dernière rangée. Alors, voyez le motif de papillon qui prend forme. Pour terminer donc l'avant-dernière rangée, on fait maille lisière, fait 1, 2, 3, 4 mailles. Car je fais 2 mailles ensemble. Je fais un jeté, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mailles. Je fais un jeté, je fais 2 mailles ensemble. Et je termine par 4 mailles comme j'ai commencé. Plus la maille lisière. Alors, on termine. On tricote toute la rangée à l'envers. Et voilà donc notre motif terminé. Voilà, un très joli motif. Donc, je vais vous mettre le diagramme. Cela, vous allez pouvoir le réaliser simplement en interprétant le diagramme. Alors, voilà, chers amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et surtout, portez-vous bien.